So I'm going to start with a few questions, and then we'll open it up to our audience. Leone, could you tell us how old you were when you made this film and how old you are now? J'avais 12 ans, et maintenant j'en ai 14. I was 12, and now I'm 14, almost 15. And can you tell us a little bit about how you got this role? Did you have to audition, that kind of thing? Donc, un professeur à l'école m'a donné l'annonce du casting. A teacher told me there were an audition for that movie. Donc, c'était pas mon prof de théâtre ou quoi, mais j'ai passé le casting et j'ai eu le rôle. It was not my theater teacher, but I did the audition and I had the role. And were there a lot of girls auditioning also for the role? Oui, il y avait environ 8 rôles pour la troupe d'enfants, et je crois il y a, je sais pas le nombre exact, mais il y a 400 ou peut-être 1000 enfants qui ont passé les auditions en tout. Actually, for the 8 roles, about 1,000 children were auditioned, so it was quite a challenge. I was wondering, do you see parts of yourself in the character you played of Fanny? Oui, Fanny me ressemble pour certains détails, parce que elle est assez têtue et tout. For some details, she looks like me because I'm stubborn. Is that stubborn. Stubborn. Mais après, Fanny n'est pas moi, donc il y a plein de détails qui correspondent pas, mais en partie, oui, je suis un peu comme Fanny. It's definitely another person, but somehow I'm. Tu es un peu comme elle. A little like her. A little. I thought you did such an incredible job in this film. You're just amazing. Thank you. Can you tell us what it was like meeting the real Fanny? C'était vraiment impressionnant parce que ça confirmait ce qu'on était en train de faire. Ça confirmait que ça avait vraiment eu lieu. It was really impressive because it would confirm. Sorry. It was very impressive because it would confirm that when they met the real Fanny, that they were dealing with reality. It was a real person. Did you study the Holocaust in school? How much were you aware of what happened during that time? J'ai pas appris ça à l'école. Le peu que je savais là-dessus, je l'avais moi-même lu dans des livres ou j'avais vu des films ou quoi. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire un film là-dessus, même si on a déjà beaucoup. I didn't study it exactly at school, but I read a lot about it in my home, and I thought it was very interesting to do that movie, another movie about this subject. Parce que c'est un des rares films qui montre la guerre vue par les yeux d'un enfant, enfin de plusieurs enfants en l'occurrence. Because it's one of the rare films about the subject that shows the subject via, through the eyes of a children. Et ça montre aussi pas mal de sujets dont on n'a pas l'habitude de parler. Par exemple, la place de la police et de l'église dans la guerre en France. And also, which is quite new, it shows what would happen in France with the police and the church, French police and French church. And this is not so much shown in the movies.
Et aussi, ça a pour principal thème la désobéissance de l'enfant. Et il y a quelques films qui en parlent, mais pas tant que ça. Et Fanny désobéit, et c'est ça qui lui a sauvé la vie en soi. And also the main subject is the disobedience of children. And she did disobey, and that saved her life. Donc, le film, c'est une histoire qui est racontée, et le message qui est là-dedans, c'est qu'il faut désobéir quand les règles nous semblent injustes. Understand. So the main message is, okay, you have rules, but when they are unfair, you have to disobey and not follow those rules. I was wondering if you talk a little bit about how the role playing Fanny changed you as a person. Oui, parce que c'est une nouvelle expérience qui m'a permis de voir la vie par une autre fonction que celle que j'avais, et ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. This new experience placed me in another function, so I was more aware. Il faut que tu m'expliques. I was not in my normal place, so I would apprehend things in different way. Maybe you could tell us a little bit about how Lola worked with you. Was there rehearsal? Was there any improvisation in the film? Tu as compris la question? Lola, comment elle a travaillé avec vous? Est-ce qu'il y a eu des répétitions? Est-ce que vous avez fait de l'improvisation? Donc, il y a eu quand même quelques répétitions avant le tournage, mais pas tant que ça, en fin de compte. There were not so many rehearsals before the shootings. Mais Lola nous laissait quand même très libres de nos mouvements lors du tournage. Donc, il n'y a pas eu tellement d'improvisation, mais si on voulait un peu modifier le texte ou une scène, on avait le droit. There were not so many improvisation, but little change in the text or in the behavior would be permitted. Il y avait un rapport de confiance vraiment très présent entre elle et nous, donc elle nous faisait confiance et pareil, et on suivait un peu notre instinct. She was absolutely trustful with us, so we could be absolutely trustful in what we were doing. And did you feel close to the other children that you were working with? I think you had mentioned that the other day. Tu as compris? Est-ce que tu t'es senti proche des autres enfants? Comment ça s'est passé avec les autres enfants? Donc, on a été beaucoup, très très chanceux avec le casting, parce que les choses auraient pu mal se passer, mais là, il y a vraiment eu une belle alchimie entre les autres acteurs et moi, donc on était vraiment très proches de jour en jour. So there's been a nice alchemy in this casting, in this choice of actors, because from day to day, every day, it was more obvious that they were very friends. We were very friends, like we are, the characters are on the screen. I'm wondering if you could just tell us what's next for you. Are you going to continue acting? What's your plan? Pour le moment, je vois vraiment ça comme un loisir. Mais bon, après, on verra ce que la vie nous réserve, mais pour le moment, j'aime bien tourner, et voilà. For the moment, it's more leisure, but we'll see what will be next.
Okay, thank you. Let's open it up to our audience for a few questions. Does anybody have a question? I have a question here on your right. Right there. Just talk into it. Tout d'abord, bravo. Merci. J'ai beaucoup aimé. Et je voulais savoir la réaction en France de votre film. So what were the reactions in France about this movie? Alors, donc les personnes qui ont vu le film ont pour la plupart aimé. Most of the people that saw the movie really liked it. Mais il y a eu un problème lors de la diffusion du film, c'est que comme c'est un film qui parle de la guerre, les parents pensaient qu'ils ne pouvaient pas emmener leurs enfants là-bas parce que ça leur ferait peur. But the problem was because it's a movie about the war, so the parents wouldn't bring their children to see the movie. Sauf que c'est un film avec des enfants pour les enfants, donc les enfants à l'époque ne savaient pas ce qui se passait autour d'eux, donc ils n'avaient pas vraiment peur étant donné qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer, donc ça a bloqué pas mal de parents qui pensaient que c'était un film qui faisait peur. But it's a movie with children, but it's a movie for children. And even if it deals with angst, with fear, during the war, children would stay, would remain children. So they would be into the fear. They would leave that, but they were still children. And this is maybe the problem in the marketing of the movie. I have a question back here in the center. Merci, c'était magnifique. Ça m'a touchée puisque j'ai grandi dans ces paysages autour de Genève. Mon père était juif réfugié. Je me demande, la Suisse a quand même eu un rôle ambigu dans cette guerre aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à Fanny, pour Fanny et les autres enfants quand ils sont arrivés en Suisse? So Switzerland had a ambiguous role about children and refugees after the war. You correct me if I don't. During the war, and the end of the question was. Yes, ce qui s'est passé pour les trois sœurs ensuite. Donc Fanny avait déjà été en Suisse quand elle était plus jeune, donc avant la guerre. Donc elle avait pu aller dans cette famille avec ses sœurs. Donc à partir du moment où ils ont passé la frontière de la Suisse. Je sais que les enfants ont été tous séparés et qu'ils ne se sont plus vus ensuite. So she Fanny had been in Switzerland before the war, so she would go to a family that she knew, but all the bunch of kids, the group was separated. After that, they didn't see each other. Et je crois que Fanny n'a pas pu rester en Suisse. Tu te souviens de ça? Mais ensuite, elle a été expulsée. Elle a dû partir. I think if I remember, that the three sisters had to leave Switzerland. They couldn't stay. And when we met Fanny for the opening of the movie, she was still quite angry about Switzerland. If that's the answer that you want. I have another question down here, more in the center on your left. C'est épatant, c'est merveilleux. You're a very talented young lady. I'm wondering, did this affect your feeling of trust in adults in the world? Did you come through this totally without being scarred or pessimistic? Did it affect you internally and your feelings of security to hear this story? Quel a été le... Est-ce que ça a changé
ton point de vue par rapport à la vie en général et à la manière dont, j'imagine, avec les adultes ou quoi, tu peux te comporter, toi. Je trouve que Fanny a été très courageuse de désobéir et plus particulièrement de s'être enfuie lors du dernier repas dans l'église. Et ça a quand même changé ma façon de penser parce que ça m'a amenée à me demander ce que j'aurais fait à sa place et je ne sais pas encore ce que j'aurais fait. Fanny was very courageous, especially to when she chose that they would escape during this meal, after this meal with the nuns, in this supposed hospitality of the church. But she did that. She was courageous to do that. But Leonie answered that she doesn't know what she would have done that day in that precise situation. We have time for one more question. Is there anybody else that wants to ask anything? Est-ce que ça t'a affecté? Est-ce que ça t'a affecté personnellement? Est-ce que ça t'a changé ton point de vue dans la vie? Oui. Par rapport à confronting the life, the war, that's what she asked. She's asking because life, war. Par rapport à la guerre. C'est une question assez compliquée, mais. It's a complicated question, especially when the father is just here. She's supposed to obey me. I'm sorry, but. Oui, ça a changé ma perception de la vie et de la guerre, mais je sais pas si ça l'a changé, mais ça a apporté des éléments. On pourrait dire ça comme ça. She doesn't know if it changed anything about this, but it brings elements to her as well as the audience, actually. I have one more question here in the back, on your right-hand side. I want to thank you very, very much for bringing this story to us. I've watched many Holocaust movies, and this is one that really touched me, and I think it was because it was children, but a lot was because of your emotional conveyance of the story. I want to ask about how this came to be, that this story was revealed and the movie was made. Comment est-ce que ça, cette histoire-là, est devenue un livre, et puis ensuite une histoire, et ensuite un film? Comment est-ce que ça a pu arriver? Tu sais la réponse? Je ne sais pas exactement, mais je sais que Fanny, par exemple, elle n'avait pas l'habitude d'en parler à sa famille, donc ses petits-enfants, par exemple, ils n'étaient pas au courant que tout ça lui était arrivé. Et étant donné qu'elle n'avait pas revu les autres enfants après être arrivée en Suisse, je pense que c'était une sorte d'appel pour qu'ils se retrouvent tous ensemble. Fanny didn't spoke about her story after the war. The three sisters, they kept it for themselves, and also the group was separated. She never met again the other kids from the group, except her sister. Now they live in Israel, and when the youngest is died 2 years ago, I think, 3 years ago, before the movie. But what Leonie said that is that Fanny maybe wrote the book because it's based on a book for children, and this book
maybe is because you wanted to meet maybe some other survivor of the group. Okay, well, thank you both for coming all the way across the globe.